de finale, mais j'aimerais qu'il vienne saluer. Il a joué le jeu. Il a malheureusement été châtié. C'est Yann Brocker, touché tout à l'heure par la coursière. Je voudrais qu'il revienne pour qu'il reçoive lui aussi la récompense de sa participation à la demi-finale. Yann, si tu es là. Voilà, merci à Yann. Malheureusement, touché, secoué. Et Yann, on te souhaite maintenant une grande saison avec l'Union Dax Camargue, puisque c'est le meneur de jeu de l'équipe de Dax qui évolue en National 2 de basket. Et il avait tenu quand même à participer ici au jeu d'arène. On va donc vous présenter les finalistes qui vont donc tenter de décrocher la cocarde et d'être sacrés champions de Dax des cocardes 2011. Le premier est donc Paul Saint-Germain. Le deuxième, Franck Sarotte. Le troisième est tenant du titre, il va tenter de conserver son trophée, Julien Raspantino. Éric Pascal. Benjamin L'Espèce. Et Jérôme Miel. Le salut des six rasetteurs. Je rappelle très très vite la règle, 15 secondes sans essayer de décrocher la cocarde. Il faudra bien sûr la prendre à l'intérieur du cercle tracé par nos amis, les employés municipaux, les services techniques. Alors attention, puisque cette coursière a déjà participé à des grands concours landais ici à Dax. Messieurs, la cocarde va partir à 300 euros. Voilà, 300 euros tout ça, merci, grâce au public présent tous les jours et qui nous aide à récompenser les amateurs. Je vous l'avais dit, plus vous êtes généreux, plus les raseteurs seront récompensés. Donc grâce à vous, public, la mise à prix est de 300 euros. Sachez que vous pouvez à tout moment monter cette enchère en venant nous proposer des primes. Pour motiver les raseteurs, Franck, on peut envoyer Salvadorina, la coursière réservée aux raseteurs. Regardez ça, regardez cette vache, il va falloir aller les chercher, les 300 euros sur les cornes de Salvadorina. Alors je vais demander à Laurent de nous mettre de l'ambiance à fond et que le public participe jusqu'au bout. Cyril à vous, 5 euros de plus, 305 euros, mais elle n'est toujours pas ouverte. Messieurs, la cocarde est ouverte, 305 euros. 305 euros, plus le trophée, la victoire sur les cornes de Salvadorina. Eric, 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 Eric. Laurent Duroux, 5 de mieux, 310 euros. 310 euros. On rajoute 50 euros, la commission 50 euros de mieux, 360 euros, 360 euros. Eric, 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 ah, il l'avait presque. 50 de mieux, 400 euros, 400 euros, 400 euros pour Jérôme Miel. Éric Desbains, 80 euros pour Éric Pascal, et il reste 80 sur les cornes de Salvadorina, 80 euros messieurs. Allez public, on a besoin de vous. C'est vrai, il a mis que j'ai payé, monsieur.
Bernard pour le féliciter. Le son triomphe, mais c'est vrai qu'il avait été excellent depuis jeudi et présent tous les matins. Allez, Paul, 80 euros toujours sur la corde de Salvadorina. Messieurs, 100 euros pour le gland, tout ça grâce au public. Merci public, vous avez été généreux, c'est pour récompenser les raseteurs. 100 euros pour le dernier gland. Salvadorina. Allez messieurs, allez pour l'hommage. Julien. Ah, ça s'approche toujours, mais le gland tient très très bien. Et on remerciera nos amis de la ville de Dax, partenaires, et toutes les photos sur le site officiel de la ville, dax.fr. Et en plus, regardez aujourd'hui, ils nous ont sorti la grue pour prendre des photos de très haut. Donc demain, ou après-demain peut-être, vous découvrirez des excellentes photos grâce aux photographes de la ville dax.fr, mais aussi merci à nos amis de Course Landaise Magazine, Michel Puzos et Jean-Paul Laïte, mais aussi Pickwick.fr et des excellentes photos. Course Aira, ils sont là depuis le jour. On remercie tous ces partenaires. Allez messieurs, 30 secondes pour décrocher les 100 derniers euros qui sont sur la corde de Salvadorina. Allez messieurs, ne me dites pas qu'elle va rentrer avec ses 100 euros au bout des cornes. Certain que là, la coursière est dans son terrain, donc ça va être très compliqué pour nos amis. On va rentrer dans les 30 dernières secondes. Allez, 100 euros sur la corde de Salvadorina. Allez, Paul.